Merci beaucoup pour le QSP avec la station espagnole. C'est très apprécié, Cédric. Merci beaucoup. Tous les bons chiffres tournés de ton côté, de tout l'ensemble du groupe ici sur Gatineau. Et par contre, de tout l'ensemble du groupe sur les canaux QSL, Cédric. Oui, Gilles. Tiens, voilà, je viens juste de démarrer la vidéo, là, je viens de t'entendre. Ok, Gilles, les 2073 à toi, de la part de Rémi, Sud-Ouest France. Eh bien, tu es le premier, je t'ai entendu tout à l'heure, c'était infime, infime, vraiment tout petit, petit. Et là, là, tu me repasses un petit peu plus fort à nouveau, et tu es encore une fois le seul que j'entends de ce côté-ci. Qui était sur la fréquence. Les bons chiffres renouvelés, mon ami, je pense que tout va bien de ton côté. Ah ben là, ça va être très bien, hein. Et là, toi, là, je suis en train d'approcher, j'ai approché la vidéo, là, du poste, pour que tu vois, là, comment tu m'arrives. C'est assez surprenant, parce que tu passes bien. Tu passes bien, Hachi. Oui, je sais, ça te quoi faire rire. Mais tu es le seul que j'entends, là, de ce côté-ci, quoi. QSL, on a mis un petit peu plus de confort côté-ci, Rémi, là, pour la réception, là, QSL. Ah ben là, oui. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de photo, là, Hachi. Là, je t'entends mieux, là. En tout cas, ça fait plaisir de t'entendre en fréquence, hein, parce que ça fait quoi, la troisième journée consécutive, aujourd'hui, que nous n'avions pas entendu personne sur la 14, qui était H14, alors ça fait vraiment plaisir de vous entendre, les amis. Eh oui, toi, à chaque fois, on croit que la propague est fermée. Et puis non, c'est une fausse alerte. Eh bien, tant mieux, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure toute l'année comme ça, Hachi. Oui, QSL, ça serait-tu dans le fun, tu penses, hein? Tout l'été est encore en contact, là, ça serait pas mal plaisant. Hey, ici, c'est froid ici aujourd'hui, j'ai mis sur Gatineau. Tu vois, tantôt, j'ai regardé la météo, là, puis on était dans le -30, -25, -30 degrés sur Gatineau, là. Vraiment froid. Ah, quand même? C'est vrai. Ah oui, comme tu dis, là je viens de regarder en vitesse, là sur la station météo, là que j'ai chez moi, on a 12 degrés, voilà, plus 12, et par contre le temps est à la pluie, là ici, là sur le sud-ouest. Oui, QSL, est-ce que tu as remarqué que l'audio a changé ce côté-ci, Rémi? Attends, j'ai pas compris, le quoi? L'audio, elle a changé ce côté-ci, j'ai changé le microphone. Oui, affirmatif, il y a un petit effet d'écho, là, derrière. Voilà, j'entends un léger écho, pas plus, là, c'est très bien, c'est parfait. Oui, bon, 73, j'ai pas eu le temps de noter qui c'était, là, à la station, là. Mais les bons 73, et puis... 212 aussi, ça fait plaisir de vous entendre, les amis. QSL 14 Fox Charlie 31. Francis, mon ami, 73, les bons chiffres renouvelés, mon ami, j'espère tout va bien de ton côté, Francis. Ok, la ville de Toulouse, il n'y a pas de problème, Hachi. Là oui, ça passe quand même assez bien, là. Donc, comme je disais à Gilles, là, je suis actuellement là en train de faire une vidéo. Là, dès que je l'ai entendu, j'ai enclenché là de suite, là, pour démarrer là une nouvelle vidéo. Mais oui, la ville de Toulouse, hein, bon, c'est pas très épais, là, de mon côté, mais ça passe très bien. Mais faut dire aussi que pour moi, les conditions géographiques sont pas des meilleures.
Mon meilleur angle pour moi, c'est côté ouest. Alors le côté nord, côté pire, côté est, j'en parle même pas. Côté sud, c'est très limite. Pour te dire, je suis dans un trou. Et là, côté sud, j'ai l'antenne qui est le bas de l'antenne qui arrive au ras de la route. Voilà, pour te dire à quel point je suis dans un trou, à chier trois coups. Autrement dit, un camion se gare là sur le bord de la route, là sur mon côté sud, et ça y est, il me bouche tout de ton côté. Ouais, affirmatif QSL. Et bien pour moi aussi, hein, j'ai la petite chaudière là derrière. C'est un Zetagi B550P. Et d'ailleurs, à propos de chaudière, j'allume la ventilation là que j'ai là-dessus. Voilà, comme ça, ça va aider un petit peu. Bon, je suis qu'à la position 4 là sur la chaudière là. Bon, la position 6 pour moi elle est interdite. Hachis trois coups. Pour la position 6, il faut que le poste sorte au grand maximum 4 watts pour pouvoir rentrer là dans la chaudière. Alors là, je suis actuellement à minimum 8 watts. Donc position 4, c'est très bien là, c'est parfait. Et pour l'antenne fixe, eh ben c'est une antenne verticale que j'ai là. C'est une Sigma Jura 10, n'importe quoi. Ça, c'est l'antenne de voiture. C'est une Sigma Mantova 8 PL que j'ai là, qui est fixée, qui est montée à 9 mètres du sol. Donc, pas très haut non plus. Pourquoi je ne monte pas plus haut? C'est parce que je suis un peu coincé là par les bâtiments de France. Voilà, je peux pas faire ce que je veux là de mon côté. J'ai une église classée monument historique qui est à quoi? À 70 mètres de chez moi. Voilà, c'est moi c'est pas grave, hein, je fais avec, hein, ça m'empêche pas de faire de la radio. Affirmatif, retour Gilles et l'ensemble des stations des Tannans là-bas, là, sur Gatineau là de Québec. Ah, je sais pas si quelqu'un m'a repassé le micro, je pense que oui. J'ai un petit peu j'ai une montée de QRM là de mon côté, plus les pays de l'Est là qui viennent de m'arriver en FM. Les bonnes 73, si j'ai bien reconnu, dans le bois bas là de Jean-Claude. Comment vas-tu ce matin Jean-Claude? J'en profite par la même occasion pour vous dire que là je suis en même temps connecté là sur le forum Les Ondes du Routier. Et sur le chat du forum, j'aurais dit que j'étais en ce moment avec vous là sur le 27-625. C'est pas grave. Bonsoir,
Ok. Ouais, justement, là, ah, ça y est, j'ai bouffé son indicatif, son prénom, là, la station de Toulouse. Ah, je disais donc, Gilles, que là, je suis en même temps connecté là, sur le forum les ondes du routier. Et sur le chat, je leur ai dit que vous étiez là en fréquence, là, que je suis actuellement avec vous, là, sur le 27-625, avec le groupe des Tanans. Ah, je suis moustaché de mon côté, j'ai du mal à vous entendre. Là, je t'entends à peine, là, Gilles. Je suis pas mal moustaché, là, de mon côté, là. Puis en plus, la propagation a baissé un petit peu, hein, là, pour le moment. Bon, il y a peut-être d'autres stations, là, en fréquence, là, avec nous. Tiens, je vais faire un petit retour du côté de la ville de Toulouse. Ah, j'ai pas tout compris là de mon côté, j'ai pas vraiment eu QSL. Là, j'ai de la moustache là, on est où? On est sur le canal 18 sup. J'ai de la moustache de mon côté là qui vient là du canal 22 sup. C'est-à-dire 27-675. Il y a un QSO qui est là, ils arrivent à me moustacher là jusqu'à moi. Bon, c'est pas grave, hein, je fais avec, hein, c'est pas un problème. Mais ça me rend difficile de comprendre là ce que tu me dis. Hein. Ah mais attends, attends, parce que là, je crois que j'ai entendu, oui, ce serait pas des fois Thierry, attends, je regarde ça vite fait, je suis en même temps sur Facebook, c'est toi Thierry, hein, sur Toulouse, hein, qui m'a laissé ton numéro de téléphone? Ok, là toi, là, on est en train de faire une véritable interaction entre Internet et la CB. Comme quoi la CB, ça rien du tout de quelque chose de vieux, d'arriéré. Au contraire, ça suit l'évolution et là on est en pleine interaction CB Internet. Et bien voilà, voilà comment on y arrive, voilà comment on avance. Hachi, retour Gilles. Oui, oui, affirmatif QSL, d'accord, ok, puisque j'ai le numéro là de Thierry là devant les yeux. Là, dès que j'ai fini la petite vidéo, ok, là je l'appellerai. À propos de téléphone, ça me rappelle quelque chose. Gilles, il n'y a pas un abruti là en France là, qui t'a appelé, qui t'a traité un petit peu de parasite, hachi, en guise de bonjour. Je peux le donner s'il est matin, ou si tu peux le donner.
Non, pas sur les ondes, pas sur les ondes. Non, c'est dommage de donner un numéro de téléphone sur les ondes. D'autant plus qu'on a un perturbateur là derrière, là qui est en... Ok, bon, apparemment, c'est pas toi, Thierry. Là, on a actuellement en plus un perturbateur là derrière, là en fréquence, qui s'amuse à siffler et tout. Non, non, fais pas ça, c'est dommage de donner ton numéro comme ça en fréquence. Par contre, si tu es sur Facebook, tu peux me trouver facilement sous le pseudo Dandy espace Radio CB. Voilà, là tu m'auras de suite là sur Facebook. Et comme ça, en message perso, tu pourras me donner ton numéro de téléphone. Ok, ben, toi, il y a des petits malins qui s'amusent à faire des porteuses là derrière, à siffler. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. Mais bon, Gilles, de toute façon, toi qui es une station importante, t'arrives quand même à passer par-dessus. Et un petit coup de brosse à reluire, hachi. Ok, ben alors sur Facebook, tu me trouveras facilement sous le pseudo Dandy espace Radio CB. Voilà, tu m'auras de suite et de toute façon, avec vu mon QRZ, tu reconnaîtras de suite ma page Facebook. Et là, tu pourras m'envoyer un message avec le numéro de téléphone dedans. Ah, c'est vrai que la fréquence n'est pas très propre là en plus. Hein. Par contre là, j'aimerais qu'on profite un petit peu là de l'ouverture de la Propag du côté Québec pour leur retourner l'antenne de leur côté. En avant Gilles, et puis fais suivre sur les autres stations là de ton côté. Avec le froid qu'il fait dehors, vu ce que tu m'as annoncé tout à l'heure au niveau température, tu m'étonnes. Il préfère rester sous la couette. Oui, on est bien mieux à l'intérieur parce qu'à moins 30 degrés, là, je peux te dire que le petit bout va friser assez vite. Le petit bout est rentré dans la coquille. Ils n'ont pas envie de sortir de la couette. Et puis comment est-ce que l'ouverture sur le QTH-14 est mise sur la Propag? Eh bien là, de mon côté, là, je t'entends toujours bien, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, hélas, il y a un perturbateur avec nous, mais bon, c'est pas grave. Il nous met un petit peu de couleur sur les ondes, à chi trois coups. Oui, est-ce que ça faisait longtemps que tu étais pour la neuf ici, pour la propagation, ou c'est qu'au début, quand t'as embarqué, ça venait juste d'ouvert? Alors, je t'ai entendu un premier coup, 5 minutes avant que je te réponde. Avant ça, c'était complètement fermé. Oui, ça fait bizarre un peu parce que j'ai regardé la télé justement, puis d'un coup je t'ai entendu en fréquence, alors j'ai dit qu'il y a la propagande qui vient de faire surface. Eh oui, affirmatif. Ouais, parce que voilà, 5 minutes avant, je t'ai entendu. Le temps d'aller vite fait au 318, histoire d'être tranquille après, paf, je suis revenu là, je t'ai à nouveau entendu.
J'ai de suite démarré la vidéo pour pouvoir prendre la suite avec. Comme ça, ce que tu n'entends pas là en ce moment dans ce que je te dis, eh bien tu pourras le réentendre à nouveau sur la vidéo. Ah ouais, ben affirmatif, hein, ben ouais, ben toi c'est pareil, hein, le 57, 59, ça tourne autour de ça, quoi. Bon, évidemment, hein, j'ai la chaudière là qui est allumée. Bon, je viens de poser la main dessus, bon là ça va, là ça... J'ai allumé le ventilateur quand même, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est pas très froid, quoi, là, de mon côté, là. Parce que je suis, quoi, sur la quatrième position, là, là au niveau de la chaudière. Donc là, c'est bon, ça fonctionne bien, là. D'accord, ok, ben moi sur le mien j'ai 6 positions. Alors la 6e position sert un petit peu à rien, puisque pour pouvoir l'utiliser, il faut que le poste de CB sorte grand maximum 4 watts. Voilà, pour pouvoir utiliser la 6e position. Mais là, pour le coup, à mon avis, si je bascule dessus, je pourrais faire cuire un steak dessus, là, tellement que ça risquerait de chauffer, quoi. Oui, oui, affirmatif, oui, ouais, 100% QSL. Voilà, là, quand tu m'as dit ça, j'ai à nouveau rapproché là, ma caméra là, du poste, là, pour qu'on voie bien, pour que tu entendes bien comme il faut. Là. Là, tu verras, là, ça passe vraiment bien là, de mon côté. Mais le plus bizarre, c'est qu'il n'y a que toi que j'entends, c'est tout. Oui, QSL, QSL, la guerre, c'est juste moi qui a payé sa facture pour le DX aujourd'hui. Je verrai ça le mois prochain quand je recevrai la facture de téléphone à Chitroico. Surtout que sur le téléphone fixe, j'étais persuadé que j'ai l'international dessus. Donc on verra bien. Pour téléphone portable, il faudra que je me renseigne avant quand même. Ça risquerait de coûter cher si je t'appelle avec. Non, parce que tu as été surpris quand même. Hein. Avec 8-9 degrés, c'est froid, un peu humide quand même, voilà, pas de soleil.
Ok, merci pour ton tour de micro. Et bien les votes sont presque 51 à toi. De mon côté, c'est pareil, il y a un temps pluvieux. Mais par contre, j'ai une température de 12 degrés. Voilà, c'est comme quoi, hein, suivant où on est, mais bon, on est plus avantagé que d'autres. En tout cas, j'ai l'impression que tout le monde est là, là, aujourd'hui, là, ça y est, là. Et ben, 73 aussi, les autres stations, là, du sud-ouest, là, que j'ai entendu derrière. Il n'y aurait pas aussi la tour de contrôle qui sera avec nous, là, des fois? Ouais, je sais pas qui c'est qui a parlé, mais il doit être en AM, je suppose, parce que là, ça a été cacophonie, là. Ça a été cacophonie, n'importe quoi. Ça a été cracra, là, pour le coup. Ok, enregistrer le break. Eh bien, tiens, on va pas faire patienter plus longtemps le break. En avant le break. Ok, les 2073 à toi, et j'ai pas tout compris, je pense que tu es couverte, ouais, ok d'accord, bon après-midi à toi.